Je demande une chose au Seigneur, la seule que je désire. Papa, nous appelons ta présence au milieu de nous. Seigneur, sois au milieu de nous. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ta sagesse. Remplis-nous de l'humilité. Remplis-nous de la paix. Pour que derrière cette cérémonie, derrière cette union, que ton nom soit glorifié. Et que ta paix se répand sur cette charmante famille qui a accepté venir à cette rencontre. Que ton Esprit Saint gouverne tout ce que nous allons faire en ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Papa, je vous salue. Je vous salue. Je vous salue. Soyez bénis. Voilà. Bon, la dernière fois, vous étiez trois, aujourd'hui on est quatre. Donc, je vais peut-être me présenter, notre papa. Voilà, je suis l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean Grassien, responsable de l'église Jésus revient. Et ici, c'est le pasteur Luc. Alors, moi, je suis sur le plan international. Et lui, il dirige l'église sur le plan local. Voilà. Ici, c'est l'évangéliste Daniel, un des serviteurs de Dieu. Voilà. Ici, c'est notre bien-aimé, Jean Comis. Il est l'un des responsables de l'église de la France. Donc, et voilà un peu. Si le Seigneur a permis que nous nous trouvons aujourd'hui, et c'est parce que le Seigneur veut mettre ensemble deux de ses enfants. Et comme il est de coutume, dans la parole de Dieu, le mariage doit être honoré de tous. Et quand on parle d'honorer, c'est-à-dire la famille de la fiancée doit accepter de rencontrer la famille du prétendant. Et le prétendant va présenter ce qu'il a à la famille du fiancé, et la famille du fiancé va bénir. Donc, pour ne pas être trop long, notre bien-aimé Jean, il est originaire du Sénégal, et au cours de sa vie, il a connu un accident cérébral. Et ça a bouleversé beaucoup sa vie, mais Dieu merci, il n'a pas perdu son travail. Il a continué à travailler. Mais il s'est fait que la femme avec qui il vivait l'a quitté. Elle l'a laissé seule. Et il a passé beaucoup de temps dans cette situation seule. Il vit seul. Et c'est là qu'il a connu la communauté Jésus revient. Et depuis qu'il a connu, il s'est donné. Et ça fait déjà 4 ans qu'il est avec nous. Et il se donne véritablement au nom du Seigneur. Et il a vraiment porté beaucoup de fruits. Il parcourt même les rues de France pour parler de Dieu en urgence, malgré sa situation. Donc, il est arrivé que il a vraiment demandé qu'on puisse l'aider pour avoir une sœur avec qui il peut vivre et avoir encore la joie de vivre, la joie au moins de parler avec quelqu'un à côté. Donc, c'est un besoin naturel. Donc, c'est là que nous avons commencé à prier. Et donc, dans nos prières, c'est lui-même, parce que comment tout notre tout ce qui passe sur les écrans, à la télé, tout ça, donc lui, on voit, il suit les choses en direct à la télé. Donc c'est quand il suivait les choses qu'il a identifié notre sœur Esther. Et dans le temps aussi, la sœur, elle était déjà éprouvée, son mari qui était déjà parti. Elle était dans son moment de vivage et tout ça. Donc c'est comme ça. A dit à cette soeur là, vraiment, depuis que je suis les choses à voir,
tu la vois. Mon cœur la prend. Tu dis, ok. Donc, c'est là que nous avons approché la sœur. On lui a parlé clairement de la situation du frère et comment le frère désire vraiment aller à prier. Elle a pris le temps pour prier et elle est revenue nous dire, elle est d'accord. Ça ne pose que pour nous. Il y a la foi et il y a l'amour. Ça fait deux choses sacrées de Dieu. Donc, il est pour le peuple. Nous pouvons le voir aujourd'hui, demain nous pouvons disparaître. Nous sommes dans une enveloppe mortelle. Donc tout peut arriver à nous. Tant que nous sommes en vie, nous avons de l'espoir. Alléluia. Donc c'est là que nous avons dit, ok, on les a mis en contact. Et ils ont pris tout le temps de se connaître, de s'échanger, pour être d'accord sur la procédure, la marche à suivre. Donc, effectivement, c'est eux-mêmes qui ont décidé de la date que on va les suivre. On dit ok. Donc c'est là que nous avons pris contact avec eux pour nous présenter le sujet. Et mon frère Jean aussi, il a demandé congé, on lui a donné et il est venu depuis la semaine dernière. Et voilà. Donc, dans notre communauté, le mariage doit être reconnu par la famille, à travers la dot. Après la famille, l'État doit reconnaître le mariage, c'est-à-dire le mariage civil. Et Dieu aussi va reconnaître qui est la consécration. Donc, on a déjà lancé la procédure pour le mariage civil. Ils ont déjà fait tous les tests, comme ça se voit. Et par la grâce de Dieu, tout est déjà ok. Donc on a transmis les dossiers à la mairie. Quand nous avons fini ça, la suite, ce sera le mariage civil. Et après, dimanche prochain, on va les bénir. On ne va pas voir que ah, c'est parce que la soeur est veuve qu'on ne va pas faire chez nous. Non. Ça se passe dans une autre, dans d'autres communautés que on dit, si la personne est déjà mariée une fois, on a pu payer la donne chez nous. Même si c'est une grande mère que tu veux épouser, tu dois payer la donne. Donc voilà, cher grand frère, voilà un peu le sujet que j'aimerais partager avec vous. Donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, quelque chose à peut-être demander ou quoi. Et voilà. Frère Jean. Bonjour. Bonjour. Moi, je n'ai pas pouvoir à dire à quel évangéliste. Ce que j'ai à dire, c'est que j'ai un peu de mal à parler. J'ai du mal à marcher. Après ça, je vais bien. Vous ne comprenez pas. Oui, je comprends très bien. Des fois je parle bas, des fois je parle haut, et c'est la bonne décision. Moi j'ai rien cherché. Comme disait Job, c'est ce qui donne, c'est ce qui donne. Et moi je m'accorde à lui. Comme il est écrit dans Job, oui. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend, oui. Donc il s'accroche à ce Dieu. Voilà. Il est guéri déjà. Amen. Alors nous sommes là pour parler de comment le processus où tout se passe. Il faut prendre la balle, comme on va dire, comme elle l'a fait. C'est pas si la soeur, c'est la soeur. Merci beaucoup.
pour le sourire de papa là. Merci beaucoup pour tout le monde. Voilà, c'est mon ami. Oui, c'est mon ami. L'essentiel est que le Seigneur est déjà avec vous. Amen. Et il a tout à sa main. Il a déjà encaissé tout, enrichi tout. Alléluia. Donc je ne peux rien à dire. Alléluia. Alléluia. Voilà Jésus. Voilà. Encore. Voilà Jésus. Quartier au Sénégal. Nous sommes là pour accompagner le processus de mouvement selon la parole. Oui. Donc, on va prier pour que la compréhension de l'amour passe à tous les enfants. Amen. Voilà Jésus. Donc, effectivement, nous avons la famille spirituelle au Sénégal. Donc, il y a un fils au Yahweh, il y a un Sénégal au Yahweh, il y a un fils au Nukou et Nukou Mito Yidi. Voilà. Et par la grâce de Dieu, tout va se passer très bien. Voilà, tout va se passer très bien. Voilà. Encore, le prêtre n'a pas à y assommer. C'est que. Aïe, le Djaï. Moi, je n'ai pas grand chose à dire. Les grands frères, on a tout dit. Le pasteur et moi, on se connaît déjà. Et... Bientôt, je vais faire ton baptême. Moi, je ne peux que demander la bénédiction. Parce que notre soeur, moi, je ne casse pas mes impressions. Les rois des moyens, on a mon. Très bien. Moi, je ne casse pas mes opinions. C'est notre soeur, je ne peux que souhaiter son bonheur. Je ne peux que dire que. Si le fils veut ton ignorant, si tu parles ton bléa, c'est ma soeur, yon, il m'aime bien. Quand le tonton était arrivé là, on n'a pas demandé grand chose. Il y a une main là, de l'homme vivide. Qui commet, elle a besoin de vivide. Monsieur est venu, il est déjà arrivé. Ah voilà, venez, saluer au moins la famille. Comme on le fait en coutume depuis fort longtemps. C'est vrai. Mais vous savez, c'est pas quelque chose bon. Voyons le moment vivi quoi. Voyons Djacho. Et si on se revoit un jour là, j'aurai même du plaisir quand je vais passer par ici là. Dis que. Ah, le pasteur. Voilà. Le pasteur est ici, je vais passer au moins lui dire. C'est ça. Bonjour. Vous voyez. On a roulé Rabi. Arrête de mettre Jésus là. On va rouler Rabi. On va venir à l'église. Vous voyez non. C'est tout ce que moi je demande. C'est ça que moi j'ai un peu. On a bien compris. Voilà. C'est vrai. Dans l'agenda, on a vraiment un agenda très serré. Et c'est une période, effectivement. On a beaucoup de mariages en cours, donc les procédures, tout ça, vraiment, c'est pas facile. Donc, okay. C'est ça qui fait que, vraiment, toutes nos excuses. Sans souci. Et le mariage est là où? Oui, ici, la consécration. Je suis le témoin avec mon épouse. Voilà. C'est moi qui devais vous contacter. C'est fait que le jour où il était là, j'étais même pas là. Ouais. J'étais là jusqu'à c'est le dimanche qu'on s'est vu. Le dimanche dernier qu'on s'est vu. Donc, quand je suis venu, le seul qui a eu à voir le dossier, à la vérité, ils ont dit vraiment il faut compléter, il faut compléter. Et c'est le compléter et de, les courses ont fait que de dimanche à ce jour, on n'a même pas pour finir. Donc ça fait que vraiment il y a eu certaines choses. Non, et lui, quand il est le magistrat est revenu, il me dit c'est depuis la France que le frère Dag est vraiment que il souhaiterait que
je sois le témoin avec le policier. Et lui. Hein? Et lui. Et lui. Et lui, c'est le témoin. Et lui, c'est le témoin. Non, il parle l'église comme témoin devant Dieu. Je suis l'église. Non, c'est moi, tout j'ai... Il ne faut pas avoir un assez de ma femme. Ma soeur, il a fait comme si un homme, personne derrière. Vous voyez, elle a tout le monde. Nous ne devons pas associer qui que ce soit parce qu'on est dans un cadre donné et nous voulons collaborer avec ce cadre. C'est tout. Vous voyez, donc ne faites pas comme si elle est jeune, elle est ci, elle est ça. Il y a des responsables autour d'elle que vous pouvez consulter à tout moment. Car on ne va pas contredire quoi, on ne va pas aller contre. Non, je sais. Vous voyez, donc inscrivez-vous dans cette logique pour prochainement aller avec nous. D'accord. En tout cas, on a pris bonne note. On a pris bonne note. Ok, Daniel, il faut gérer la suite. Moi, je vais faire la suite. Ah, bon, conformément donc à ce que j'avais donné le commande, on va attendre. On va attendre. J'ai resté 5 minutes. Ça, tu fous mon béni son moment, l'argent son moment. Amen. Voilà Jésus. Acclamez Jésus. Manuel, le pasteur, tu t'en reconnais. Merci Seigneur pour ton amour. Alléluia. 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 En toi, la puissance, en toi, l'honneur, en toi, la gloire. Amen Seigneur. Nous invoquons, Seigneur, la puissance de ton amour. Alléluia Seigneur. Nous invoquons la puissance de ton esprit. Alléluia. Que ton esprit répande sur cet argent. Alléluia. Que ton esprit répande sur ce don sacré. Alléluia. Qui est la dot de nos sœurs, Viviane et de son épouse Jean. Amen. Que le fruit de cet amour descende et leur bénit. Alléluia. Leur donne tout ce qu'ils veulent. Alléluia. Dieu Saint, Dieu fort, nous te louons, nous te bénissons. Ta puissance répand sur cet argent. Que nous en faisons bon usage. Merci Seigneur pour tout. Alléluia. Nous allons demander à notre papa, et la sœur va se lever, il va prendre la main de la sœur et remettre à la main de Jeanne et nous allons bénir ensemble. Voilà. Donc, il faut essayer de... Amen. Nous allons prier. Seigneur, vraiment, merci beaucoup pour cette union entre deux familles. Seigneur Jésus, la famille de notre sœur a accepté et approuvé et accepté la dot qui est payée pour demander la main de leur fille. Seigneur Jésus, elles ont donné, la famille a donné son accord. Seigneur, tu nous as dit dans ta parole, tout ce que vous liez sur la terre est lié au ciel. Par cette parole, nous prions que notre frère Jean et notre sœur Esther sont à présent unis. Et la famille est témoin et la famille accepte. Seigneur, nous te prions de les bénir, papa.
de bénir leur union et de bénir aussi la famille, papa. Seigneur, cet accord qu'ils ont donné, ils ne vont jamais regretter. Au nom de Jésus. Seigneur, que cela ouvre de nouvelles portes de bénédiction sur la famille, de nouvelles portes de grâce sur la famille. Au nom de Jésus-Christ, qu'aucun malheur ne frappe à leur porte, qu'aucune maladie ne frappe à leur porte, qu'aucune mort précoce ne frappe à leur porte, mais que du bonheur frappe à leur porte, que de la joie frappe à leur porte, que de bonnes nouvelles frappent à leur porte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, bénis-les dans le puissant nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Vraiment, merci beaucoup. Vas-y. Et donc, au passage, je vais vous laisser clôturer. Bénissons infiniment le Seigneur pour cette rencontre. Nous avons vu ici on a du courage à faire. Vraiment, je suis plus que convaincu que l'Éternel est notre Dieu. Je bénis son Saint. Vous savez, Dieu va nous faire toujours surpris. Nous ne sommes que des instruments dans sa main. Yes. Comme la Bible dit, nous sommes l'argent et puis nous façonner comme lui. Il fait des miracles. Nous allons vraiment, quand nous l'avons demandé de prier, je dis que tous ceux qui sont venus là, vous quatre là, vous allez commencer à expérimenter ça. Allez, vous êtes en accord, je suis en accord avec la parole, avec Dieu lui-même. Yes. Donc, puisque vous n'êtes pas opposé à ça, vous allez voir le fruit que ça va donner. Allez, au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Infiniment. Merci, papa. Merci pour cette rencontre. Merci infiniment pour avoir visité les cœurs. Alléluia. Quand quelqu'un parle, nous vivons ta peine, nous vivons ta joie, nous vivons ta détresse. Nous avons vu ton esprit en mouvement en ce moment. Et notre cœur est débordé de ta joie. Seigneur, sois élevé à chacun. C'est ça, c'est tout. C'est ce que tu connais la vie de chacun. Notre désir, c'est de ton lit. Ils sont dans ce chemin. Seigneur, étonne-les pour cette vie. Seigneur, étonne leurs foyers, étonne leurs activités pour cette vie. Donne, Seigneur, pour également donner des témoignages de ce que nos passages ici avec plus notre vie. Seigneur, merci Jésus. Je te confie également ce futur pour cette vie. Il y a quelque chose à faire. Et nous attendons à cela. Tu as parlé, et quand tu parles, la parole de retour passe d'avoir produit l'effet. Et nous attendons l'effet de ta parole. Seigneur, dans ce jeune foyer. De ta gloire, Seigneur, sois élevé à jamais et glorifié à jamais, magnifié à jamais, de génération à génération. Nous avons prié, laisse-nous comprendre la main de ton esprit, le Saint-Esprit, qui est au-dessus de tout notre esprit, qui conduise à la vie de chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà. Vraiment. Merci beaucoup. Pour qu'après t'avoir servi sur la terre selon ta volonté, je te serve encore dans le paradis. Je te chante encore dans le paradis. Je te serve encore dans le paradis.